the book, nous et moi. So today we are going to study chapter 1 from the book. So please use this version of the book if you want to have access to the same pages as me. Donc page 11, on va commencer avec le livre et si l'on regarde bien euh, le texte commence avec Mademoiselle Bertignac. Donc Mademoiselle Bertignac est le prénom et le nom de famille, pardon, de la narratrice. Alors où se passe cette scène vous pouvez faire pause et faire des recherches si vous voulez. Euh, moi, je vais vous donne la réponse directement. Donc, la scène se passe dans une salle de classe. Comment le sait-on Alors, on a euh, du vocabulaire, le champ lexical de la classe, donc le mot exposé, monsieur Marin, on pourrait penser que monsieur Marin est un professeur, et oui, hein, il est un professeur, pardon, bureau, OK, de desk. Ensuite, on a un petit peu plus loin euh, écrire à la craie, okay choke, le tableau noir, blackboard. Euh, et aussi, on a élève de la classe. Okay donc, on a le mot classe devant la classe. On a aussi le mot exposé, sujet, theme. Donc, vraiment, le vocabulaire lexical de la classe. Donc, qui sont les personnages présents euh, dans ce premier chapitre Donc, on a bien sûr la narratrice. Lou Bertignac. On a aussi Monsieur Marin, qui est son professeur et qui va euh, être présent euh, plusieurs fois dans ce livre. On a aussi, euh, quelques lignes après le début du chapitre, Axel Vernou et Léa Germain. Alors comment peut-on voir que Lou est différente des autres élèves de la classe Donc si vous le faites pause, vous pouvez faire pause et faire des recherches, et moi je vais vous donner la réponse. Euh, donc Axel et Léa, on peut voir que ce sont des filles. Populaire. Alors, comment peut-on voir ça euh, Si vous lisez le passage, euh, elles pouffent en silence derrière leurs mains. Donc, pouffer en silence, c'est vraiment <laughs> se moquer hein, de quelqu'un, donc sans doute de loup. Elles se moquent de loup euh, parce que loup est différente. On va voir. Hein. Les élèves l'appellent le cerveau, écrit en italique. Il n'est pas très gentil. Okay donc, the brain. Donc, c'est vraiment pour. Euh pour euh, accentuer son intelligence, elle est peut-être trop intelligente par rapport aux autres élèves de la classe et euh, ça la met à part. On a aussi une dizaine de bracelets teintes de plaisir à leur poignet, donc ce sont des filles à la mode sans doute. Ok, they have nice bra bracelets, they probably know how to dress well, so they are popular girls. Okay? very different from Lou. Donc quel genre d'élève justement est Lou? Donc c'est une élève très timide. Comment peut-on voir qu'elle est timide On va voir hein, dans cette première page. J'ai horreur des exposés. J'ai horreur de prendre la parole devant la classe. Ok, donc Delphine de Vigan utilise ici deux fois l'expression j'ai horreur de pour souligner hein, la timidité de Lou. À quel point c'est difficile pour elle de faire un exposé devant toute la classe. Alors pourquoi euh, On voit aussi que Lou préférerait s'évanouir. Ok, tout de suite foudroyer. Strike by the, by the lightning, she would prefer that. Je tomberais raide, she would fall straight. Ok De ma petite hauteur. Alors, elle utilise le mot petite hauteur, donc elle se rabaisse un petit peu. Euh, elle dit qu'elle est toute petite, comparée, je pense, aux autres élèves de la classe, qui sont plus grandes, plus matures. On apprendra plus tard que Lou hein, est beaucoup plus jeune que les autres élèves de sa classe. Elle a sauté des classes, en fait. À cause de, de son intelligence. Ok, et à la fin de, ce, de cette page, elle se décrit si lou. Ok, donc si c'est ce qu'on écrit sur les tombes. Elle, euh, elle préférerait être morte plutôt que de faire un exposé. Donc c'est quand même très exagéré, et c'est pour montrer hein, son, son extrême timidité. Meilleur élève de la classe, asocial et muette. Ok, so best student in the class, antisocial and she doesn't speak mute euh, donc c'est pas très positif hein, l'opinion qu'elle a d'elle-même de, et si on tourne la page donc page 12, euh, 12 pardon 12, tout en haut de la page on a le thème de son exposé mais aussi le thème un des thèmes principaux du livre lui-même ok les sans abri donc Lou nous explique que son exposé va être sans, sur les sans abri donc cet exposé aura euh, un impact Énorme hein, Sur le livre et joue un rôle primordial. Page 12, on a un nouveau personnage qui apparaît et c'est le personnage de Lucas. Alors, Lucas, lui, va aussi être un personnage très important dans le livre. Hein. Quand Lou nous parle de lui, elle est complètement sous le charme. Ses yeux sont immenses. Je pourrais me noyer à l'intérieur, disparaître ou laisser le silence engloutir Monsieur Marin et toute la classe avec lui. Okay, so his eyes are huge. I could drown myself inside them, disappear. So she's really using poetic language here to talk about Luca. She's under his charm. Okay, donc elle est sous le charme de Luca complètement. Et on voit aussi un peu plus loin que Luca aime beaucoup Lou. Okay, Luca me regarde. Je vois bien qu'il attend que je m'en sorte. Il est avec moi. He's with me. Un peu plus. Il brandirait son poing serré au-dessus de lui, comme les supporters de foot. Donc, ici, il y a une comparaison ok, de Lucas, l'attitude de Lucas, qui est comparée à celle des supporters de foot, pour montrer à quel point Lucas est derrière Lou, à quel point il veut l'aider, ok. il ne veut pas qu'elle se fasse humilier devant la classe. Donc, on verra hein, que Lucas va être. Il va être un rock, basically, pendant toute la The entire book. Okay, il va être là pour la soutenir, pour l'épauler okay, tout au long du livre pendant des, des, des situations euh, parfois difficiles. Quelque chose qu'il faut noter, c'est que euh, Lou nous parle donc en effet de son, de son exposé. À la fin de la page 12, je vais retracer l'itinéraire d'une jeune femme sans abri, sa vie, enfin son histoire. Et après page 13, nous avons, je vais interviewer une jeune femme SDF, je l'ai rencontrée hier. Elle a accepté. Ici, Lou n'est pas tout à fait honnête okay, avec son professeur. Elle nous ment. Elle n'a pas encore rencontré de, de jeune femme SDF. Alors pourquoi euh, Delphine Duvigan de utilise ce mensonge dans ce premier chapitre Peut-être parce que le mensonge va être un thème important euh, dans le livre. Okay On verra que Lou va beaucoup mentir à ses parents. Euh, pour se sortir de situations difficiles. C'est peut-être lié à son imagination débordante, ok On sait qu'elle est très intelligente, elle veut, euh, elle veut se sortir donc, de cette situation difficile avec son professeur. Ou tout simplement parce que Delphine de Vigan a voulu euh, nous faire savoir ce qui va se passer dans le chapitre 2, ok La rencontre entre nous et Eno. Ok euh... Page 13, si l'on regarde à la fin de la page 13, on a d'où vient qu'avec un QI de 160, je ne suis pas foutu de faire un lacet. Donc ici, on apprend déjà hein, que Lou est très intelligente, okay elle a un QI de 160. Avant, page 11, on voit que les autres la surnom surnomment le cerveau. Okay Donc c'est vraiment qu'elle a une intelligence comparée aux autres élèves, mais euh, n'est pas foutu de faire son, son, son lacet. Si on traduit, ça veut dire How come with an IQ of 160, I'm not even uh, capable of doing my laces Donc, on voit que Lou n'a pas une très grande estime d'elle, d'elle-même. Euh, elle se dénigre beaucoup. Et euh, donc, ça montre un manque de confiance en elle. Et pour finir avec ce chapitre, page 14. On a euh, le dernier paragraphe, page 14 ici, que je vais lire. Ma mère ne sort plus de chez moi depuis des années et mon père pleure en cachette dans la salle de bain. Donc ici, on peut voir qu'il y a un problème euh, dans la famille de loup. Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez euh, essayer de deviner ce qui se passe dans la famille. Quel pourrait être le problème Pourquoi la mère de loup ne sort plus Et pourquoi le père est si triste qu'il pleure en cachette dans les toilettes. Donc, euh, voilà pour le premier euh, paragraphe, premier chapitre, pardon. J'espère que ça vous a aidé. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Au revoir.